Bon les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être esthétique, d'être productive, d'être une clean girl et de faire tout ce que j'avais à faire. Donc, je commence par me réveiller, logique, et je fais mon lit. Je le fais jamais et genre même moi, j'étais choquée carrément. Alors qu'en vrai, ça prend genre 2 minutes et tu te sens archi mieux après. J'avais pas séché mes cheveux la veille, donc ils étaient tout bizarres. Du coup, je décide de les hydrater. Mauvaise idée, je les ai rendus gras et là, c'est vraiment moi qui ai dégoûté. Je me dirige ensuite vers la salle de bain pour me brosser les dents. Genre, est-ce que je suis la seule à me brosser les dents à petit déjeuner et à les rebrosser? Dites-moi que je suis pas la seule. Pour moi, brossage de dents, les gars, c'est synonyme avec boîte de nuit, ambiance, musique, et cherchez pas à comprendre. Du coup, hop, petit lissage. Et là, les gars, je suis en grosse hésitation à me faire un gros dégradé, petite frange et tout. Je vous mets mes petites inspi, dis-moi si ça m'irait. Nouveau truc de clean girl, me maquiller et me faire un peu fraîche pour ne rien faire. Enfin, pour rester chez moi, genre je ne sors pas. Et là, les gars, je découvre un produit que j'ai depuis genre des mois et que je n'ai jamais utilisé. C'est une crème qui est censée te donner du glow. Et franchement, je conseille de fou, c'est une Kiko. Je suis choquée. Hop, je vous montre mes petites étapes préférées de mon maquillage. Genre vraiment, se plaquer les sourcils chez moi, c'est genre une drogue. Petite anti-cerne, et en ce moment, j'ai une poussée de boutons. Et franchement, au lieu de les cacher et tout, je me dis, je les laisse respirer. Je pense qu'ils vont partir plus vite. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Je comptais partir sur un make-up naturel et en vrai, ça va. Genre, c'est un peu naturel, un peu pas naturel. Et le moment tant redouté, le moment de bosser. Parce que ouais, genre, Anna, tu passes ton oral de français dans 2 jours. Franchement, le bac, il m'attend à la porte avec impatience, je pense. Et attention, quand je mets mes lunettes, faut pas rigoler. Genre, attention. Donc écoutez, c'est parti quoi, je commence, j'écris, je rédige, je fais des petites fiches et voilà quoi. Franchement, j'en peux plus, ça fait 2 mois que je bosse. Et bosser, ça creuse, donc les gars, je me suis fait un wrap. Poulet caramélisé, petit wrap incroyable. Et les gars, franchement, c'était une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. Genre Philippe et je t'ai best, vraiment. Carrément, je veux plus m'arrêter. Après ça, je me remets à bosser. Je vous ai pas trop montré, mais j'ai vraiment bossé toute la journée. Je voulais un peu ranger mon dressing et je suis tombée, les gars, sur un short. Ça fait une semaine que je dis, je veux trop m'acheter des Bermudas oversize. Et en fait, j'en avais acheté un que j'avais oublié dans mon dressing. Carrément, il y avait encore l'étiquette. Donc écoutez, essayage. Tidoum ! En vrai, de vrai. Ça va, non ? C'est BG, je trouve. Je sais pas pourquoi je fais des petits moves comme ça, mais moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Révélation de clean girl, maintenant je fais du sport chez moi. Je suis obligée, si je veux être une meuf à esthétique, je suis obligée. Du coup, petit legging, petite séance workout sur l'ordi. Franchement, ces séances-là, elles sont trop bien. Je suis un peu confuse, mais je vous jure que je fais tout trop bien. Abdos, fessiers, vélo. Et après, les gars, carrément, pas de wrap, pas de commande Uber Eats. Non, un kiwi. J'ai toujours été persuadée que je détestais le kiwi, donc j'ai fait une dégustation. Et en fait, j'aime bien le kiwi.